Salut, je m'appelle Romain, j'ai 26 ans, je suis né dans l'Est de la France, à Metz. J'ai fait mes études sur Lille, j'ai fait STAPS Management et j'ai fait 5 ans dans l'armée française avant de trouver mon volontariat. Ok, donc comment tu as connu cette organisation? Dans quelle organisation tu es et puis comment tu l'as connue? Alors, j'ai fait mes recherches sur le net. Par rapport à la mission locale, d'abord j'ai fait une mission en Grèce pendant un mois. Et après avec les partenariats, j'ai vu que LP4A proposait des missions en Asie, en Inde, Philippines, Indonésie et Vietnam. Et du coup, ça m'a tenté. Ok, donc tu as connu ça via Internet, c'est ça? Via Internet, ouais. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es dedans? Alors ça fait 2 mois, je suis arrivé il y a 2 mois. Ouais. 3 mois aux Philippines, j'ai eu ma formation, ça dure 3 semaines à peu près. Et après, je suis arrivé à Cebu il y a 2 mois, à peu près 2 mois. Pourquoi les Philippines? Eh bien, ce n'est pas moi qui ai choisi. Okay. Quand tu rentres à LP4A, c'est le boss de l'organisation qui choisit un des pays, une mission, et te la propose et t'accepte ou non. Okay. Moi, je postulais, j'espérais arriver à Cebu et à mon programme, donc c'est nickel. Nickel, parfait, ce que tu voulais. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que ça demande quand même du courage, tu sais, de partir loin de sa famille. Ah oui, bah, c'est sûr. C'est sûr, j'ai dû tout quitter. Donc, ouais. C'est un énorme sacrifice, mais. C'est un choix. Comme tu as dit, il faut un minimum de courage, mais ça se fait. Il faut un déclic, en fait. Il faut vouloir contribuer, il faut vouloir découvrir une nouvelle culture, vouloir aider les gens. C'est hyper enrichissant personnellement aussi, donc tu t'y perds pas, c'est pas comme un sacrifice. C'est enrichissant pour tout le monde, en fait. Et je conseille. Du coup, ça ressemble à quoi exactement une journée typique en tant que volontaire? Alors moi, par rapport à mon organisation, ma mission elle se situe en prison. Okay, ouais. Je suis à Lapu-Lapu City Jail, qui est à Cebu. Et en gros, j'ai une équipe de prisonniers qui sont en attente de jugement. Et on leur donne des formations, des guidance, des trainings. J'ai un petit business avec eux, ils construisent des bracelets. Et on les forme à être professionnels et à avoir des projets après. Comment se tenir professionnellement, comment gérer leur argent, des choses comme ça. Donc ça va, les prisonniers philippins, ils sont pas trop maltraités? Non, ça va. Après, tout est relatif, mais c'est vrai que les prisons aux Philippines sont assez compliquées. Là, dans la prison dans laquelle je suis, ils sont 2800 pour 1200 places environ. Ils sont un peu les uns sur les autres. Mais on ressent pas trop la tension, c'est assez chaleureux, il y a beaucoup de bruit, de couleurs. Ça se passe assez bien, en fait. Ouais, il y a des petites activités. Ouais. Mais par contre, il faut être quand même assez vigilant. Le milieu est quand même... spécial. Ouais, ça reste des criminels. Oui, en attente de jugement, donc... Ouais. Mais bien sûr. Après, il y a tout. Il faut faire attention à tes relations avec la police militaire qui est là-bas, avec les prisonniers, avec... C'est une sorte de balance à trouver. Mais elle est très intense, la mission. Très enrichissante. Du coup, est-ce que tu comptes en faire ton métier plus tard? Par rapport à l'humanitaire? Ouais, c'est ça. Dans l'humanitaire, ouais. Je sais pas encore. J'essaye d'avoir un but de vie où j'essaie de contribuer le maximum et de toucher le plus de gens. Je pense que cette mission-là est un très bon début parce que j'impacte peut-être à petite échelle, mais ça me permet de voir les mécanismes dans tout ce monde-là. Et je verrai après. Je sais pas encore où la vie va m'amener, mais je suis sur le bon chemin. Je verrai bien. Donc, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience pour l'instant? Pour l'instant? À se remettre beaucoup en question, à commencer à connaître ses limites, à tout recommencer à zéro quelque part, à être comme une caméra neutre et genre t'expérimentes, tu prends ce que la vie te donne, tu te détaches de beaucoup de choses, comme par exemple en France où tu as l'habitude de faire, tes petites addictions, ici ça te relativise tout ça. C'est ça, t'apprends à être simple. Très simple, ouais. Et sur le plan humain, c'est hyper gratifiant. Tu rencontres plein de gens. Tous les jours, je rencontre des dizaines de gens. Tu parles avec les locaux. Enfin, c'est inexplicable. C'est ça qui est compliqué. J'imagine dans un an, quand j'entrerai en France, je pourrais pas trop expliquer tout ce que j'ai vécu. C'est très difficile. C'est clair. Faut le vivre, quoi. Ouais, voilà, faut le vivre. C'est comme un grand plongeon. Ça fait peur avant d'y aller. Moi, je me rappelle, je me dis, oula, enfin, un an aux Philippines. Après, si ça me plaît pas. Mais finalement, il faut oser. Si t'oses pas, tu finis avec un CDI. Ouais, c'est ça, dans une entreprise. Derrière un bureau, voilà, et t'as ta routine. 40 ans, ouais. Après, si c'est ce que tu veux, tant mieux, mais c'est pas ce que je veux.
Et pourquoi les Philippines du coup ? J'ai pas choisi les Philippines. Mais c'est vrai qu'avant j'imaginais être aux Philippines. Donc ça me convient à fond. Les Philippines, je trouve que c'est un très beau pays d'Asie. En plus, tu trouves plein de choses typiques ici. Et en même temps, ils parlent tous anglais. Ça te facilite quand même l'intégration beaucoup plus facilement. C'est pas comme au Vietnam où t'as plus de mal à t'intégrer. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, c'est le plus chaleureux d'Asie. Donc, bah oui. Tout est possible ici. C'est un peu comme à la GTA, comme pour le bien, comme pour le mal. Tout le monde t'accueille avec le sourire. Voilà, c'est un peu le rêve américain ici. Tout est possible, vraiment. C'est accessible, franchement. Du coup, d'après toi, d'après ton point de vue, à quoi ça sert l'organisation dans laquelle tu es ? Ah, elle sert à beaucoup de choses. Elle aide vraiment beaucoup les gens. C'est pour ça que j'avais postulé d'ailleurs à cette organisation, parce que pour moi, c'est pas comme une organisation qui donne juste des vêtements ou de l'argent à des gens. Ouais. C'est vraiment une organisation où il y a un but derrière. C'est genre, on leur apprend un métier, on leur apprend à être professionnel, on leur apprend un business, on leur apprend la vie en général. En général, c'est des pauvres personnes qui viennent des bidonvilles ou de prison. Et ils sont un peu perdus, quoi. On les guide du mieux qu'on peut. On a beaucoup de partenaires, on essaie de leur trouver un job décent. On leur paye chaque semaine une certaine allowance. On les aide à gérer leur argent. On leur apprend la vie en général, comment survivre en société. Ça, vous les guidez pour se réintégrer dans la vie sociale, quoi. Et c'est ça que je trouve ça super intéressant. Et chaque centre de notre organisation, ils ont des business différents. C'est ça qui est super. C'est très différent. Du coup, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui hésitent à s'engager dans ce type d'organisation ? N'hésitez pas. Ouais. Carrément. Recentrez-vous bien avant pour savoir si vous êtes sûr de vouloir faire ça, de vous engager pour un an ou plus. Mais au final, que vous prenez la décision de vouloir faire ça, lancez-vous à 200%. N'hésitez jamais. Soit vous sentez que vous ne serez pas capable, ou que si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt, ne le faites pas, attendez un peu. Ouais. Mais si vous sentez un besoin profond de voyager, de changer de vie, foncez, bien sûr. Tous les détails aux alentours, c'est assez compliqué, ça fait peur. Comment je vais rendre mon appart, comment je vais faire les papiers, comment je vais quitter ma famille, mes amis, ma copine. Hein. Mais au final, faut juste foncer en fait. C'est très enrichissant, c'est ça. À fond, à fond. T'apprends énormément sur toi-même, sur plein de choses. En fait, essayez de vous imaginer dans la mission et de vous recentrer et essayez de vous dire comment j'ai fait pour en arriver là. Mmh. Et là, vous verrez que toutes les démarches, elles se font d'elles-mêmes. Il faut juste essayer de se projeter en fait. Il ne faut pas avoir peur. Donc t'as appris quoi de tout ça ? Enfin, l'expérience humaine ou sociale ? Beaucoup. Après, ça fait que 2-3 mois que je suis ici, mais je peux pas encore fournir une conclusion au final, mais c'est déjà fou. Ouais, j'ai l'impression que j'ai vécu une vie en un an, quoi. C'est un dépaysement par rapport à la France. Ah, bah ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. On rapprend les bases, on rapprend la simplicité, on rapprend à jouir des petits plaisirs simples. Mm-hmm. Alors qu'en France, on râle tout le temps, ça c'est pas parfait, ça il manque ça, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Alors qu'ici, les gens sont simples. Ils sont très très simples. Ouais. Ils ont des vies 100 fois plus compliquées que nous, et pourtant ils sont 100 fois plus heureux. Ouais. Ça apprend beaucoup, ça relativise beaucoup. Mm-hmm. Ah oui, ça c'est sûr qu'un volontariat ou un voyage comme ça, on change. Mmh. Ça fait évoluer. À fond. Ok, donc petite dernière question. Qu'est-ce que tu comptes faire après ça ? Le monde, Chico. C'est clair. Changer le monde. Autant que je peux. N'importe quel impact que je pourrais. Tu vas avoir un impact sur le monde. Ouais. C'est bien ça. Moi, c'est pareil. Bah, nickel. Et après, je sais pas comment. J'ai pas un timeline à respecter, à me dire. Je me laisse porter en fait. Pour ça, depuis moins d'un an, j'ai décidé de me laisser porter par la vie. Elle m'a amené ici, jamais avant j'aurais entrepris des choses pour faire des missions comme ça. Et pourtant, en se laissant un peu aller, lâcher prise, la vie elle t'amène dans des trucs de fou. Ah oui, c'est sûr. Tu sais jamais où ça t'emmène. Ah ouais, carrément.
Et donc pour ça, pour la suite, je m'inquiète pas, c'est juste que j'ai un objectif implicite, mais je verrai bien où ça m'amène. Ça peut être beaucoup de manières, soit je continue le volontariat, soit fonder un de mes business et devenir avoir de l'argent pour entreprendre d'autres choses. Plein de moyens. Je verrai bien. J'ai pas d'idées précises, mais j'ai beaucoup d'idées. Tu en as fait d'autres, des missions comme dans ce type-là ? Ouais, en Grèce, en mai dernier, j'ai fait une mission dans l'environnement. Okay, ouais. Je me suis occupé des forêts, des animaux et de la plage. Ah ouais. C'est une mission d'un mois avec Erasmus, mm-hmm. avec la fondation Orpheas. Et c'était très enrichissant aussi. Je voulais faire ça, cette petite mission-là, d'un mois, pour vraiment savoir si ça me plaisait, avant de faire ma mission de 13 mois aux Philippines. À 13 mois, t'es là ? Ouais. Un contrat de LP4A, c'est 13 mois et tu peux renouveler ça 2 ans, 3 ans. Ah oui, ok. Ouais. Donc c'est assez cool. Une fois que tu es pris à LP4A, tu peux, si ça te plaît vraiment, tu peux renouveler très facilement. Il y a beaucoup de Français dans ton organisation ? Il n'y a que ça. Ah, que des Français, ok. Ouais. On travaille avec beaucoup de locaux au niveau des partenaires et du reste, mais sinon c'est une organisation principalement française. Mm-hmm. On doit avoir 90% de Français. Et tu peux trouver, tu tapes P4I sur internet, tu trouves assez facilement leur site, tout est présenté, présente les missions. Et c'est une organisation en plein développement. On a bientôt de nouveaux centres qui ouvrent dans d'autres pays. C'est assez. Le concept est bien. Ok, ben, merci beaucoup Romain. Puis, de rien. Puis merci pour ton temps, puis ta contribution. Pas de soucis, n'hésitez pas. Yes.